Calogero, superbe artiste français, il me semble. Ah, je suis pas fan, un petit peu, ça dépend. Bah, Calogero, je sais pas, je connais pas trop en fait réellement. Bah, Calogero, c'est une bonne référence française, tout le monde aime, et ils sont pas mal ces albums, bien écrits. Oui, je connais un petit peu, c'est un artiste de variété française, oui. Pour moi, c'est un chanteur, enfin, mi-chemin entre la variété française et de la pop et du rock. Ouais, un peu. Pour moi, c'est un grand compositeur au niveau de la musique et c'est aussi un grand écrivain au niveau de ses paroles. Je me souviens pas des noms, mais la chanson dans l'ascenseur m'a beaucoup marqué. L'apesanteur, Yalla. En apesanteur, il y a Tiananmen. Oui, je connais Face à la mer. En apesanteur. Pourvu que les secondes soient des heures. Je sais pas comment il fait, mais il le fait bien. Il fait un, hein, dans l'ascenseur avec une certaine demoiselle. Calogero, t'assures. Calogero, que penses-tu du téléchargement sur Internet? À quel âge avez-vous commencé à chanter? Bah, je trouve ça hyper touchant, j'aime bien. Je pensais qu'il y allait y avoir plus de gens qui connaissaient pas, en fait. J'ai commencé à... La musique, j'ai commencé à apprendre à 6 ans. Et mon premier groupe, j'avais 15 ans. Et mon premier contrat de disque, j'avais 16 ans. Je comprends qu'on télécharge, puisque moi, si on, si à 15 balais, j'avais la possibilité de copier des disques comme ça, avec une plus ou moins bonne qualité, je l'aurais fait. Moi, je suis contre la musique gratuite. Parce que déjà qu'en France, la musique n'est pas considérée comme un métier. Ça, moi je l'ai vécu dans l'administration quand je disais quand on me disait qu'est-ce que vous faites comme métier, je disais je suis musicien, oui, et à part ça vous faites quoi? Donc déjà que c'était pas considéré comme un métier, si en plus la musique est gratos, c'est mort. Et moi je dis ça, ça me concerne pas directement, puisque j'ai la chance aujourd'hui d'être connu, et si mes albums marchent moins bien, je pourrais toujours plus ou moins faire des concerts à 200-300 personnes et vivre de ma musique. Moi je pense plutôt aux jeunes. Et je pense que les jeunes artistes n'ont pas assez conscience de ça. Oui à Internet, mais non à la musique gratuite. La musique, ça se paye, quoi. Que le titre de Pomme C dit beaucoup de choses. Il évoque plein de choses que les gens aiment et que les gens détestent. Ça irrite, ça fait parler, ça m'intéresse. Et j'ai pas besoin de l'expliquer, j'ai pas besoin d'en faire un. J'ai pas besoin de donner un mode d'emploi pour expliquer le nom de cet album. C'est juste une chanson qui parle de l'amour virtuel et voilà, et je j'aime les noms de code, moi. J'aime bien les noms d'albums courts et concis. Et ça me paraissait être comme un code, pas me. Puis à C, il y a le C de Calum aussi. On a transformé la maison en studio. Les amplis de guitare étaient dans les chambres. Donc en fait, on n'entendait pas les... Nous, on avait des casques pour jouer, mais les voisins, ils n'entendaient que la batterie, quoi. Donc, on faisait en moyenne 2 chansons par jour. Pour les voisins, c'était pas rigolo. En fait, c'était un amusement. On s'est régalé. C'est ma plus belle expérience de musique, hein. Ça, c'est clair. Alors, l'impression comme ça d'être avec ses potes, un groupe que tu connais bien, t'enregistres le matin, l'après-midi, tu peaufines, tu reviens. C'est excellent, quoi. Excellent. Je sais qu'il manque parfois. Je sais qu'il ne nous manque pas l'essentiel. Je sais que c'est toujours l'amour qui donne des ailes. Le saut de l'ange. Le saut de l'ange, en fait, c'est une chanson qui s'appelait Leave a Boy. You come and leave a boy. Na 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 na. Leave me a message. It's all I say. Ça, c'est comme ça. Le refrain était mieux en français finalement qu'en anglais, quoi. Mon refrain en anglais était pourri. Bonjour ou bonsoir Calogero, c'est Martin Rapneau. Alors, une question de musicien.
J'aimerais savoir pour une chanson, qu'est-ce que tu accordes de plus importance à quoi ? À l'harmonie ou à la mélodie ? Ça, ça me plaît bien comme question. Eh bien, d'abord, je l'aime beaucoup, ce garçon. Au départ, je faisais plus attention à l'harmonie. Et au détriment de la mélodie. Et aujourd'hui, plus je grandis et plus je vieillis et plus je fais attention à la mélodie et non pas aux harmonies. Bon, salut. Je voudrais savoir si t'étais pas chanteur professionnel, si vraiment, vraiment, vraiment ça avait pas marché du tout, que t'avais galéré pendant des années, que t'avais jamais fait les charts, que tout ça, qu'est-ce que tu ferais comme métier ? C'est ma meilleure amie, Delphine. Je vivrais chez toi. Je vivais chez elle à l'époque de mon premier album. J'avais plus de toi. Je serais définitivement installé chez toi. Deuxième question, est-ce que comme police, à 50 ans, tu vas reformer les charts pour retourner des stades dans le monde entier ? Ah ouais, ça je vais le faire, ouais. Ouais, je ferai. À 50 ans, je reformerai les charts. On fera des stades, mais avec Martin Rapneau. Il viendra avec nous. Voilà. On sera quatre vieux. Je trouve ça très rassurant, le fait qu'il y ait des beaux artistes comme ça qui ont marqué à un moment donné leur époque. Ils ont eu des trous dans leur carrière qui me paraît être normal, et quand ça repart, c'est juste magnifique. Et ça, je trouve ça très rassurant, mais pour tous les chanteurs. Il n'y a pas que lui. Lui, ça me parle plus parce que c'est ma génération. Et puis c'est ma came, quoi, comme musique. Ça me dérange pas, moi, cette attitude. Si, voilà. Oui, il y a un côté un peu snob, mais c'est de qualité. Il y a du talent là-dedans. Donc, quand c'est snob et qu'il y a du talent, pourquoi pas. C'est la première chanson vraiment qui a décollé. C'est mon premier tube, on va dire, quoi. Donc c'est important, quoi, pour moi de pouvoir un seul coup avoir plus de monde dans les concerts, quoi. C'est surtout ça. Tu sais, moi je suis un mec de scène, hein, quasiment presque que ça qui m'intéresse, quoi. Le clip, je suis assez fier parce que c'est Mélanie Douté aujourd'hui qui tourne beaucoup. Et elle est super sympa et ça s'est très bien passé. Le clip, c'était génial. C'était tout à fait professionnel et pas du tout chaud, comme plein de gens pourraient le penser. On était très corrects tous les deux, des vrais bisous de cinéma. Là, j'ouvre pas les yeux, quoi, c'est dommage. Dur, on faisait un clip solo. Toujours bassiste. Il y en a partout. Je suis déjà sous, j'en veux. Télé qui a fini par être un clip. Je n'aurais jamais eu de jouer.
ma fille me voit, elle me reconnaît pas. Avec les mecs qui critiquent et qui piquent comme des moustiques. Je suis libre enfin. Et moi je viens bien après l'aurore, quand le soleil monte à Saint-Jean. Tourne en rond, périphérique et bouchon, circuit pour les champions. Qu'avons-nous en commun et que pouvons-nous faire qu'être humain? J'aimais bien être humain. 10 ans de ma vie, de 15 ans, de 15 ans jusqu'à 27 ans. Jusqu'à 27 ans. Il y a eu deux ou trois chansons connues, quoi, comme Je m'envole et Moi encore. Mais ça, heureusement, pour la suite, pour moi, après, ça n'a jamais explosé vraiment. C'est des jolies chansons, mais il n'y a jamais eu un engouement énorme. Et heureusement, parce que je pense que sinon, ça m'aurait marqué au fer rouge. Et pour repartir en solo, je pense que pour m'imposer avec ma musique aujourd'hui, qui incontestablement me ressemble plus, quoi, ça m'aurait handicapé. Mais quand j'ai réécouté il n'y a pas longtemps, je trouvais quand même que c'était de qualité. Ça, j'étais assez fier d'y avoir participé et de l'avoir monté, parce que c'est quand même moi qui ai monté le groupe. Ça, c'est l'un de mes préférés. J'aime bien ce clip. Il ressemble un peu au dernier, je trouve, au saut de l'ange. C'est imposant. Tu n'aimes pas le saut de l'ange? Ça, j'adore la chanson, mais j'aime pas le clip, en fait. J'aime pas le clip. Aussi libre que moi. Moi, je suis plus à l'aise avec mon répertoire aujourd'hui. C'est normal. Face à soi-même, on se voit faire le pas. Ah, là, c'est vraiment que des bons souvenirs, quoi. C'est top. J'aime beaucoup prendre Racine et Tiananmen. C'est l'expérience avec Passy était top, quoi. C'est un mec terrible. C'est Yalla que je préfère dans le clip, de mon clip préféré, dans celui-là. Là. Sur Martin Gore qui sort, j'ai fait la préface. Je suis très content, très fier.
Déjà pas Bowie parce que c'est pas cette période de Bowie que j'aime. C'est pas Modern Love. Depeche Mode, je les ai rencontrés 2-3 fois. C'est le groupe que j'ai aimé le premier. Et je disais, j'ai fait la préface du bouquin sur Martin Gore, donc c'est fait. Mais bon. Robert Smith, je l'ai croisé plein de fois, j'ai jamais osé l'aborder. Tellement il m'impressionne. Et on va être réaliste. Je pense que je ferai plus facilement de la musique avec Townsend si je le rencontrais. Puis Townsend. Parce que je suis sûr que... Parce que je l'ai revu. Je les ai vus sur scène, là, à Metz. J'ai été les voir en concert. Et je lui ai dit bravo. Je n'ai pas osé l'approcher. Il m'a dit merci et tout. Mais la manière dont il m'a dit merci, je sais que le mec, il a 60 ans, il est dégagé de plein de choses. Et je sais qu'on peut mettre un jack dans un ampli tous les deux et on pourrait jouer Won't Get Full Again. Ouais, je pense que ce serait avec mon rêve, ce serait avec les Who, enfin avec Townsend particulièrement. Hey mambo, mambo italiano, hey mambo, mambo italiano, go go go, you mix up siciliano, oh you calibrate it, do the mambo like a river river. Aucun problème, je veux dire. Si, en plus, en ce qui concerne Gérard Darmon, il a un super grain de voix. Il y a plein de... Jeanne Moreau chantait magnifiquement bien. Yves Montand, magnifique. Bourrel le fait bien aussi. Je veux dire, pourquoi pas? Pourquoi pas Marc Lavoine lui fait à l'inverse. Quand les gens sont doués pour les deux... depuis longtemps. Tatouage, je trouve ça hyper sexe chez les filles. Dieu est un fumeur avare. Je vois ces nuages gris. Moi, je fume plus depuis 5 ans et je suis un vrai fumeur. C'est-à-dire que si je reprends... Si je tire une latte d'un pet ou quoi, je repars direct dans la clope, quoi. Donc, en même temps, je fais pas chier mes potes. Ils viennent chez moi, ils fument. Donc, ça me dérange pas la fumée. La plupart, c'est tous des mômes de Versailles et de Neuilly, quoi. Ils ont tous mis des... Alors c'est bien, hein, pourquoi pas. Tu vois, Mick Jagger, il venait de la bourgeoisie, hein, il venait pas de... Et ce qui compte, c'est de l'avoir. C'est pas juste de venir de banlieue, quoi. Mais les vrais rockers au sens propre ne veut plus rien dire, quoi. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression que tous ces jeunes rockers, c'est juste une bonne attitude. Ils sont juste... Pour le moment, moi, je les trouve très beaux, quoi. Ils ont un super look. Ils ont une super dégaine et quand on voit les clips et tout, ça me fait plus penser à une pub de L'Oréal, quoi. Enfin, je sais pas, il y a un truc un peu. J'ai pas encore vu une vraie rébellion comme on en voit dans le rap, quoi. Pour moi, le rap aujourd'hui, vraiment, il remplace vraiment le rock'n'roll, quoi. Je
c'est assez content. Moi, je suis content. Le mec, il se reforme. C'est un groupe mythique. J'aimerais bien que Téléphone se reforme. J'ai pas de tu vois, j'ai déjà vu des mecs qui viennent voir McCartney en concert. Ils sont là avec leur petit carnet, ils notent. Alors voilà, il a pas fait ci, il a pas fait ça. C'est de la soupe, c'est machin. Moi, je suis content. Je les ai vus. Ils ont chanté Roxane. Je suis content. Il m'en faut pas beaucoup. Si je ne réponds pas quand tu me fais signe, laisse-moi un message que je devine ce que tu es, ce que serait l'amour entre nous, l'amour après tout. Si sur cette voie je ne te suis pas, je sais le message à tout jamais. Un jour ou l'autre, il faut qu'on saute, tenter le voyage, trouver le courage. Je sais qu'il manque parfois l'étincelle, je sais qu'il ne nous manque pas l'essentiel. Je sais que c'est toujours l'amour qui donne des ailes, le saut de l'ange. Je sais qu'on a le cœur au bord du vide, mais je sais que c'est l'ange qui nous guide. Entre les orages, entre les naufrages,